L'organisation de cette journée de l'excellence tout juste au terme du premier trimestre de l'année scolaire 2013-2014 répond à un seul objectif. Féliciter et encourager tous les élèves qui se sont illustrés brillamment par leur travail durant cette première partie de l'année scolaire, mais aussi et surtout inciter les moins méritants à plus d'ardeur au travail. Il s'agit en somme de créer une saine émulation entre les élèves du lycée municipal Kwaku Kwao Le Patient qui aspire à devenir un lycée d'excellence. Au total, 91 élèves ont reçu des diplômes d'honneur et d'excellence couronnant leurs efforts. Cette célébration de l'excellence a été également marquée par une conférence sur le thème « Les vers de Corruptus ». Une conférence animée par le lieutenant des douanes, Nyamiangole Bi David, auteur du recueil de poèmes intitulé « Les vers de Corruptus ou comment déparasiter l'humanité ». Cet ouvrage, selon l'auteur, est une satire de notre société pourrie jusqu'à la moelle par la corruption. Il se présente comme les confessions de Corruptus, le démon corrupteur, déçu de son acte. C'est un appel aux Ivoiriens à se débarrasser de ce virus qui gangrène la société et tue l'économie. Le choix de ce thème répond au souci des responsables du lycée municipal, Kwaku Le Patient, de parfaire l'éducation morale de leurs élèves, futurs cadres de demain. Il s'agit de faire d'eux des hommes et des femmes de grande probité morale et de droiture pour sauver la Côte d'Ivoire des griffes de ce monstre qu'est la corruption.